Et aujourd'hui, nous pouvons faire la rentrée des classes. Nous pouvons faire la rentrée des classes, comment tout bien le collège, comment tout bien l'école primaire, etc. Mais nous, comment nous, université, nous avons un thème qui est universitaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons appelé The Induction Day Ceremony 2015. Alors, depuis plus d'une année maintenant que nous existons, nous avons plus de 300 élèves maintenant. Alors, c'est pour ça que ça Induction Day là donne l'occasion aux ben, élèves qui, comme si dirait, pas fin de l'occasion ni l'année dernière. Alors là, aujourd'hui, nous avons une nouvelle admission forms and everything. Mais la même que tu payes, ils vont payer leur souscription pour l'année. Normalement, c'est 500 roupies. Every year, renouvelable. Renouvelable. Nous avons déjà institué 25 sujets depuis l'année dernière. Il y a pas mal d'élèves. C'est-à-dire que chaque élève peut officiellement prendre officiellement, je dis bien, 3 sujets. Mais si jamais d'autres sujets les intéressent, ils peuvent prendre. Mais nous, à la fin de l'année, le jour qu'on va donner le certificat, ce qu'on appelle le Graduation Day, ils vont avoir 3 diplômes, 3 certificats de 3 sujets. Mais ça n'empêche, comme je disais tout à l'heure, ils peuvent prendre 1 ou 2 sujets. Oui, mais dans tout ça, nous devons remercier quand même le professeur Ormugunpa Souramen, qui a eu l'idée de fonder cette université, vraiment, ben, qui nous occupe tous. Et ça, nous prenons les élèves à partir de 55 ans et à monter. Donc les senior citizens. Les senior citizens, comme on appelle. On a pu voir aussi au cours de cette rentrée pour le troisième âge des orateurs. Oui, il y a eu on a parlé santé, constipation, de nouveau style, ça a été très important, parce que nous, les âgés, quand on arrive à certains âges, les seniors, on a des problèmes, je ne dis pas, c'est pas automatique, mais on a des petits problèmes médicaux, des trucs comme ça, et puis on ne sait pas sur quel sein se vouer, mais là, le docteur Dorénia, justement, qui est venu parler sur plusieurs sujets, diabète, cholestérol, cardiaque, etc., etc. On va voir un peu, on va regarder un peu son intervention. Souvent, et dans les congrégations bibliques. Alors tout cela, il vient d'être pour tous les gens qui ont ce espoir. Et comment les espoirs pour vous, c'est ça. Allô, vous dites que nous avons la blague, et comment les maigris. Ça, vous voyez les conseils. Fini. Il doit bien y être aussi des spécialistes de soi. Vous voyez là, c'est ça le destin, ça, ça, ça. Et puis, il y a un problème de constipation que je vois sur rien. Problème pour la meilleure. Que ce soit possible d'arriver du tout à mes mais vous êtes tous les pourquoi avec nos websites personnes, 15 millions de roupies dépensées pour un autre médicament pour combattre la constipation. Il dit, le Dao de Baba, parce qu'il n'y a pas moins assez fibres. Fibres, les gonflées assez vite à ses assorts. Un spoon, quand il mangeait, on appelle ça transitant, pas qu'il y a pas de transitant de fibres. Ça, à celle-là, si vous mangez dans 17 heures, il était sur ce qu'on a assez bagasse. Maximum, 22 heures. Si dans 22 heures, on a assez, on appelle ça mild constipation. Si des ouvres dans la scène, ou pas ouvres dans la scène, après ça, pour les constipations. Qui sont les conséquences? Dans la scène, nous avons un colon, nous avons un acide, nous avons un microbe qui mange en grâce à l'intestin. Par exemple, il y a des actes pour l'intestin développé, et s'il est infecté, il y a un congrès avec un appendice. Et pour un adulte, un sens, à la longue de quand penser à la distance. Mais qui fait une pour les paris, quand sur le soulier, plusieurs dans le monde qui mangent beaucoup de légumes, mangent fruits tous les jours, boivent beaucoup de l'eau. Combien de monde ici présent dans les lits de l'eau par jour? Personne. Vous êtes aujourd'hui à peu près 150 jours là. Pourquoi elle est bon si pas bien? Un politicien qui a été pris sur une arme par rasier, mais vous supposez 150 000, 10%. Vous êtes capable de 10%. Mais c'est ça, de l'eau, et de la celle-là,
gonfler, il est sale, c'est grave. Sauf, on va lancer le bateau de déstaté, il est sale. Ici, le déstaté, il est gonflé dans les bateaux. Et là, il faut tellement y poser, il a combien de conditions de cela. Vous comprenez? Elle a dit à Yoma, allez-y, et qui nous prie Yoma. Donc, c'est un petit problème. Tu vas lancer le truc qui est demain. Ça sent. Ouais, c'est le gros problème qui me réveille de la tête du suppositoire. Mais le suppositoire dit bon, comment il parle. Il y a une évidence. Et là, c'est une série du suppositoire à potentiel d'un solariste qui s'est livré à une complication. Et quand on met l'appareil en ligne, ou tout en dehors, noir, il arrive. Il finit dans ses. Le divin du terrain, parce qu'il vous lit 7 sages de la mer à 12 et 9 minutes. Ça n'est plus. Il est libre. Moi, il est là-haut avec ton homme, avec ton homme. Moi, avec combien, il est aussi simple et plus facile. C'est un petit monde du monde public, parce qu'il est mangé. Il y a beaucoup de monde qui est mangé. Qui fait manger de nous dedans, à qui on fait subir ça, souvent il a pris ça. Ou grave manger. Donc, pour préciser le travail, pas qu'il est dedans, pas qu'il est différent, pas qu'il est prié, pour manger vite. Alors, quand il peut manger, il mange vite, il ne peut pas ramasser une bagasse, sa bagasse. Quand il y a une bagasse, il ne peut pas sauver l'eau. Et là, si vous allez manger, il y a la série de tout à l'heure de sauver l'esprit. C'est sur la série. Il y a combien de temps avec un pire dommage de structure sur les restes, deuxième qui va déshydrater et qui concerne carence. Pour mieux commencer, calcium. Parce que vitamine, quoi que ce soit, vitamine B1, B2, B6 et calcium qui sont solubles. Tout cela pense à la solacée, là ils sont dans des lages, vous voyez, vous allez voir la couche, vous allez voir la couche, vous allez voir la couche, mais bon, on sait ce qui est vraiment important. Donc, solution simple, pour pas être massicien, moi, simple, c'est sur le behavior. Vous disiez que vous mangez. Pareil pour le magasin, madame. Vous avez pas de madame. Pour le magasin, vous vendez les OCDS. 5-6 magasins. Vous pouvez aussi vous dire que le soleil est vous êtes dans le même pas. Il n'y a pas tellement bon si je suis là. Le détail, ça n'est pas pour tout ça. Ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler. Le premier, si on est intéressé à aller manger, qu'il mange. Pourquoi pas d'ici, j'ai chance d'en répondre. Pourquoi des autres, j'en ai même pas répondre. Par exemple, si on vous mangez, vous êtes connu, vous pouvez manger. Alors, le chrétien est obligé. Donc, c'est un droit de pas pour nous décider, nous déjeuner et cuisiner. Qui t'a appelé breakfast? En venant avec nous, breakfast, break fast. Il est bien seul. Nous l'acceptons. En service d'éducation, la personne qui intervient, on a dit fait ça. Parce que quand on ne voulait pas choisir, si elle ne va pas s'aider, réellement, c'est 4 temps dans l'instrument. C'est-à-dire à partir de 11h du soir ou de fasting state, c'est le carême. C'est-à-dire le matin, quand vous levez, vous break le fast. Mais combien de secondes moi, un break fast le matin? Donc, quand on travaille, pour la boucle de travail, qu'elle a fait de toute qualité prétexte. Mais quand on va avoir un vrai force le matin, éventuellement, on développe le problème de se voir casser. Je vous explique. Pendant le sommeil, vous siérez au travail de ce soir d'ici de la journée. C'est un Américain qui demande des causes, il connaît des lits, il déroule son salade. Le soir, vous finissez le programme cuisiné. C'est sur la salle à Marie-Laure, par contre, vous l'écoutez, vous regardez, vous m'avez dit, vous m'avez dit, c'est qui va faire. Le lundi, moi, mon homme. Mais il est qui, pendant le sommeil, ou l'accumulation, l'acide dans le restaurant. Mais comment vous neutralisez l'acide? Vous êtes moi, un peu de force, qui neutralise lui. Mais trois fois, vous êtes moi, un casse-ci, moi, je travaille. Après, vous avez fait des liens là-bas, et moi, parce que là, je vous demande de venir, je pense qu'on travaille. Mais ils sont envie de faire par contre les hérités, à tout moment, nous sommes dans les pays, moi. Mais c'est ça, et bien les enfants, si les passeports, ou bien, il y a même des parents qui les prennent,
pour avoir fait un débat, ce qui sera appuyé à l'école, il y a une recette libre. Mais vous en faites une classe, c'est vraiment bon. Que qui va faire les 7 dans la tête ou 2 il y aura dans la tête 6 ans qui sont aussi. Vous comprenez que quand on est à l'école, après l'école, on pense à penser, on est outillé dans le ministre à y penser. Il y en a pas qu'un seul, pas qu'un seul français, et l'un des fois il a donné, il va faire pipi, il se donne à donner, il va se faire la chose. Mais qui vous prend? Vous avez un surtout problème du moment. Vous pouvez être un super-mère, vous êtes un super-mère, non? Moi, à l'outil des biens, et aussi vous êtes avec moi, vous pouvez voir correctement, et autant que possible, vous pouvez faire quelque chose. On ne va pas sur un programme, activité physique. Super-mère, sortir à 17, dès la 4 minutes. Faire un mouvement pour que ce parcours, on se fasse un balancier. Pour que ce parcours, on a fait ce parcours. Pas par la route de la vie, mais le mouvement. Vous êtes sauté vers un mouvement, avec la distance. Vous allez au là, vous allez à la papa. Vous dites, par excellence, ça. Maintenant, après, finalement, sauver un groupe de troisième âge, qui travaille comme un bête, et à l'aise. C'est oui, et donc c'est l'hiver, c'est pendant le soleil qui est dans une cellule qui va de réparation verte. Moi, on a le dos, vous connaissez, c'est donc comme le pionnier, vous avez fait ça ici. Mais nous qui sommes ici, qui garage pour aller faire ça ici? Tu veux la garage? C'est ça qui fait nous sauver des réparatoires. C'est-à-dire qu'on dormit bien, à soi, un changement. Moment, c'est la cellule. Et pour que cellule-là démarre tout le monde dans l'autre, il faut dire dans les mots, si n'est pas là, vous pouvez dire tout le monde qui a mis des héros en conscience. Dès là, réparation en fait. Et ça, ça a traversé. Cellule-là, vous pensez qu'il y a mis un travail sur le pensé. Dès là, il démarre. Et aussi, vous pouvez dire des choses qui vous prennent, vous ne pouvez pas aller. Souvent, vous pouvez pas manger ce qu'il y a dans le chemin. C'est un sous complet de force. Quand vous êtes conservant ici, vous mangez. Au moment, et quand vous mangez, pas de manger trop tard, parce que vous ne pouvez pas de manger, vous avez dormi par les yeux. Alors, avec ça, vous terminez parce que vous avez dormi son billet, ça c'est un sujet. On a parlé du côté légal, parce que des fois aussi, on se fait avoir par des gens, on n'est pas au courant de la loi, on ne sait pas qu'est-ce qui nous protège, comment se faire protéger, mais il existe des lois. Alors là, aujourd'hui, nous remercions, il y a le DPP. Monsieur Sanjay Dibulel, senior counsel, qui est venu nous parler de ça. Très, très intéressant. On a appris beaucoup de choses. On sort de là avec un bagage. On ne peut pas dire qu'on n'a pas appris des choses aujourd'hui. Pendant, quand je prends ma décision qui affectait la vie du monde, le quotidien, ma dimone qui vient de la rencontre de la loi, qui subit ma expérience et de la loi, qui faisait que à la police, qui faisait à la cour, qui faisait témoigner, les témoignages vont être très importants dans le processus de la justice, bien content qu'il y ait des gens qui prennent sa décision, là, je comprends le souci, en général, que ce soit troisième âge, surtout quand il y a troisième âge, surtout quand il y a citizen, parce que c'est une France de personnes dans la société mauricienne qui est beaucoup plus vulnérable. Avant qu'il m'aborde le sujet qui nous a posé le défi des gages de Bansignor, je peux dire mon parcours dans sa, les temps qui menacent aussi, qui nous fait justice à ce sujet-là. Mais l'idée même, c'est que nous annoncer qu'il nous faire avec un groupe que je ne pourrais pas venir dans cette facilité du rôle qui nous est là au bureau du DPP et là pour pouvoir adresser un sujet beaucoup plus avec target, un sujet beaucoup plus identifié, un sujet beaucoup plus focalisé, discuter un problème qui se tentant de zéler les membres de l'université 3A. À faire face, vous êtes pas intéressés pour les. Tout d'abord, quand on guette sa régime légal, et bien sûr, le régime légal basique est la manière la loi spécifique pour un du monde du troisième âge,
Et, mais toute la loi, normalement, toute la loi affecte dans plusieurs, dans notre quotidien et la vie. Mais quand on vient un petit peu par la loi spécifique qui vient pour un CEO citizen, vous allez comprendre que le législateur, il fait, passe la loi un peu en réaction avec ce qu'il peut trouver d'arriver au niveau social. En réaction à ce qu'il peut trouver d'arriver dans la transformation de la société. Que ce soit Maurice et que ce soit hier. Qui transformation, un changement graduel qui va arriver. Vous connaissez un affaire que, au point de tout d'abord, là, qui nous disait avant, nous disait vivre dans ma famille, dans ma extended family, dans ma famille coupée, dans tout le monde qui peut vivre ensemble. Ben, plusieurs générations se vivent ensemble. Grands-parents, enfants, petits-enfants, et pas petits-enfants, même petits-enfants aussi. Donc, il y a un graduel changement qui nous amène vers une famille, une cellule nucléaire, une famille, quand c'est qui va arriver, des enfants qui réclament le droit à la liberté de choix. J'ai envie de décider à vivre comme j'ai envie de vivre, prendre une propre base, créer un propre foyer, acheter quelque chose qui vous invite dans la manière qu'ils ont envie. Et nous trouvons ça sens dans la carrière, graduellement. En même temps, dans le grand niveau aussi, quand je fais gagner, je suis de payer une pension, je fais un revenu qui permet de vivre avec une indépendance, je suis de choisir pour vivre indépendamment avec des bons enfants, quoi qu'il le sociologue appelle ça qu'il y a une distance intime quoi, entre les enfants et les grands-parents. Mais tant que ça marche comme ça, les bons, mais arrive un point quand les enfants sont de plus en plus occupés, de plus en plus indifférents avec les parents, et les grands immunes de plus en plus commencent à faire face à des problèmes de la santé, ils commencent à avoir des problèmes de mobilité, ben, le problème de safety, je commence à avoir le problème memory loss, Alzheimer, etc. Donc là, je trouvais qu'il y a un décalage dans sa, dans sa relation, interrelation de parents avec les enfants. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais quand vous étiez enfant, vous étiez Saint-François, vous étiez un grand la cour, vous étiez là, dès la case, c'est là, mon papa, et puis vous étiez là, vous à côté. Et dans la case, vous étiez là, Modali, qui était grand, sur ma enfant, il était sur mari très tôt, mais lui, il était centre au cœur même de la famille. Modali, je me disais tout ce qui passait, même pour un petit grand, il était là, les enfants, mais non, il n'y avait pas de faire sans consulter Dali. Parce qu'il est même qui façonne la famille, qui amène l'éducation de la famille, qui fait le travail, qui fait inculquer une valeur fondamentale dans la famille, et qui lui-même se sent de tout, qui mange pour cuire tantôt, qui roule une belle fille, qui décision mariage, qui sait pas qui sent en ce moment pour faire dans la tasse, qui travaille, tout ça fait. Dali, tu faisais une seule parole là-dedans. Des choses qui, ce matin-là, je tiens un objectif dans la vie. Je tiens un purpose seul. Je tiens un rôle important. Et c'est ça qui nous trouve graduellement. Et l'érosion graduelle de sa importance et sa valeur du matin, mon grand dimon, sa reconnaissance que je tiens là et le rôle que je tiens. Le législateur, il finit réagir en fonction de ça. En fonction de sa transformation graduelle qui est là dans la société. Puis d'abord, il définit un senior, comme on va dire, qui est là, qui est 55 ans, et un elderly person, il définit un comme on va dire, qui est là-haut de 60 ans. Et quand vous avez les statistiques, vous trouvez que vous avez à peu près 260 000 personnes qui, au-dessus de 55 ans, qui représentent environ 21% de la population de Maurice.
Donc, elle est une grosse tranche de Ban Ki-moon, qui est considérée Ban Senior, Ban Elderly Citizens. Et Ban Statistique montre aussi des choses, que vous êtes vulnérable à partir sur deux plans surtout. Un, c'est la santé. Le fait qu'écoute le docteur donne une série d'exemples qui vont nous donner la vulnérabilité de santé. Et deuxième, vous êtes vulnérable au point de vue de la vie paisible de mal de mal. Tout le risque social qui est là, vous êtes un petit peu vulnérable au problème. Donc, une fille en 2005 à Maurice passe la loi qui appelle Protection of the Elderly Persons Act de 2005. Ça, la loi-là est la loi avec beaucoup de bonnes initiatives. Une loi innovatrice dans plusieurs façons. Et c'est aussi qui prévoit une peine assez sérieuse. Par exemple, il va pas vous arrêter à des ans de prison si vous maltraitez un petit monde âgé. Et la main jusqu'à 50 ans. Mais la loi, plus important, il y a même un concept de un comité de Elderly Network. Parler de rapport, ça va être la loi la fin implémentée. Mais oui, là, valeur du jour, dans le texte mauricien, un Elderly Network Committee. Oui, là, un Monitoring Committee qui assurait of the well-being de un timon de senior citizens. Oui, là, un Elderly Watch, Neighborhood Elderly Watch, et qui prévoit. Et aussi, oui, là, dans la loi, Protection Order pour les senior citizens. Premier investi nous là-dedans pour pas d'investir pour les sous capables de ça. Mais la loi là est là, d'appeler Protection of the Elderly Persons Act 2005. Mais en même temps, elle a une affaire par contre, moi au niveau du bureau du début, vous trouvez là beaucoup de cas de violence qui m'a timonagé subir au sein de la famille. Et il y a un gros problème. Il y a un gros problème qui se met en là, c'est un timon qui est un petit peu helpless. C'est un peu moyen pour dénoncer ce manque de violence là. Parce qu'ils sont dépendants de vivre sous sa toit quand ils peuvent subir la violence là. Et qui ne sont pas capables de dénoncer ça. Donc ça vient d'affaires secrets dans la famille. Et deuxième affaire, je trouve ça l'État, pour la police, pour le divan magistrat, pour la cour, pour la tannée zone, pour la police, tout ça là, c'est un vrai tout un obstacle qui vraiment décourage les gens dans l'administration même de la justice, pour que les gens reconnaissent la route en quête de la justice. Voilà, c'est pourquoi nous trouvons un problème là assez aigu par la violence domestique au sein. Vas-y, Van que ce soit au niveau Van couple, mari-femme, et une petite pamphlet qui m'a demandé pour qu'il ait accès à ce pamphlet-là. Je ne peux pas gagner un petit conseil pratique là-dedans. Qui m'a une petite chose qui se capable de faire pour que si demain ce sujet, à cause de cette position de vulnérabilité à violence, qui m'a une mesure, qui m'a une recours, je ne peux pas prendre pour qu'il demain. C'est capable, qu'il y ait toute la justice capable de vivre à cette ressource. Et là, tout d'abord, on est capable de faire ce qu'on appelle un protection order, un magistrat. On est capable de donner l'autre qui empêche ce bandit qui crée violence dans la tasse, mais de déhonorer dans la tasse. C'est pas une mesure assez drastique, mais la possibilité est là, à demander l'autre devant le magistrat. Donc, deuxième affaire, capable de faire un service social, capable de faire un probation office, capable de rentrer dans la case, hein, capable de renfermer un constat dans les conditions dans lesquelles ça tourne dans les villes, et qui est capable de faire un rapport et est capable de référer ça à l'autorité pour qu'il y ait un suivi des personnes. Dans le code civil mauricien, apporte dans sa protection vers le Irak, là où il y a le code pénal aussi, qui produit une forme de violence. Il y a aussi
dans le code civil mauricien, où il y a une obligation envers les enfants. Si vous avez des gens âgés dans la classe, vous avez un devoir et une obligation qui vous assure qu'ils gagnent sur le well-being, c'est-à-dire qu'ils gagnent sur manger, sur médicaments, sur bien-être, tout ce qui est des gens et humains, hein, pour qu'ils gagnent sur place pour dormir, sur place pour rester. Tout ce qui est un besoin basé pour qu'il soit capable de continuer sur la vie. Après tout, un monde qui arrive dans sa lazade, il travaille, il sacrifie, il a une pension. Donc, il y a une obligation. Nos bons enfants, nos bons belles-filles, nos bons hommes, tout le monde qui n'a pas un lien familial direct pour qu'ils soient capables d'être sa vie. Donc, on a ça dans le code civil mauricien. Un des gros problèmes qui me connaît souvent, mais trouvé dans la cour, c'est surtout quand on a des modèles de témoignage. Et là, c'est un témoignage dans la cour. On a un gros problème de faire attendre toute la journée. Je ne pas gagner une facilité pour déposer devant la cour, et ça décourage et personne ne peut dire par contre une attention particulière. On croit que c'est une affaire qui existe, il y a un problème réel, un problème sérieux, et qui, pour ceux qui me connaissent, c'est qu'il n'y a pas de mesure qui peut prendre. On espérait que c'est une beaucoup plus vite qui est libérale. Un autre aspect qui est en cours de trouver devant plusieurs niveaux de justice, c'est ma affaire. La qualité de la vie quand il commence malade et souvent le droit de succession. Le droit surtout quand un petit mot après la guerre ou le problème de succession, tout les enfants commencent à quitter la cour, quand il n'y a aucun, finalement quand il n'y a aucune solution, ça va bien qu'il y a là, ça l'assiette patrimoniale là. Il reste à la banque. En quoi il y a des guiseuses qui vous avez. Tout d'abord, vous avez un démon viagé qui vous a tout d'abord commencé à réfléchir l'aspect du tout ou pas du tout pour moment. Qui va être provision pour elle, tout d'abord, pendant que nous vivons. Nous faisons tant de hard et aging pendant que nous vivons. Qui mène à nous manger. Comment nous faire pour maximiser, faire assurer qu'il savait servir pour assurer notre propre bien-être, nous assurer qu'il est capable de vivre de la vie, que ce soit une pension, que ce soit un petit bien qui nous est là, qui peut assurer que ça aide notre propre bien-être. Si nous sommes malades, si nous allons à l'hôpital, si nous avons des médecines, si nous avons des lait, si nous avons une demande spécifique. Le plus important, c'est que tout ça là vous est posé. Vous capable à pour un démon qui est en succession, mais vous êtes capable de faire une lecture, une zone spécifique pour laquelle il y a assez compliqué dans le même décembre, dans le même décembre, mais c'est moi qui ai dit quelque chose. Vous capable, vous êtes capable de faire le pas pour aller dans le derrière. Vous discutez, ça va être un problème. Qui dit bien ou est là, qui m'a envie de discuter de ça dit bien là. Parce que la loi demandait qu'il y ait un héritier, il a fait donation, mais qu'il y ait un héritier et la loi direct l'eau dit bien. Ça c'est un. Deuxième affaire, on ne peut pas gagner si vous avez la tasse, on ne peut pas avoir si vous avez écrit au groupe testament. On ne peut pas même écrire, vous écrire, vous proclamer, vous proclamer, vous assigner. Si vous n'êtes pas capable, il y a des gens qui ont fait, mais vous avez plusieurs témoins. Il y a plusieurs manières qui sont capables d'organiser pour la vie, pour l'après la vie, pour qu'il y ait pour qu'il y ait la guerre, pour qu'il y ait ce qui nous produit, le dîner qui est là, il va finalement vivre il reste comme ça même, il vit un gros problème, il reste à l'abandon, et il ne passe à aucune utilité, et qui souvent reste
la guerre éternelle, la guerre sans temps, personne ne va profiter. Mais il y a déjà en Europe, maintenant, il y a 6 et 10 qui sont le problème. Il y a des gens qui ont des affaires. Il y a 6 et 10 qui sont le problème. Il y a tout le monde, mais qui peut arriver, qui peut organiser le patrimoine, qui peut organiser ça, qui est la chose. Il dit Dieu bat des enfants. Dieu bat des enfants, Allah, ce qu'il nous veut, ce qu'il nous envie, de manière, et gagner un problème dans la vie, également, même avant. Ou qui va assurer que tout passe dans une façon qui pas tout le monde va finir finalement son petit perdant. En gros, démystifier tout ce genre d'affaires-là, bien poser. Il ne faut pas faire libre matière, il y a un sujet tabou. Du coup, bien poser, du coup, bien discuter, du coup, bien prendre conseil légal, notaire, spécialisé dans ce domaine-là, pour éviter beaucoup ce genre de problèmes qui nous trouvent tous les jours. Le patrimoine qui paierait ça à l'abandon. Les enfants qui paient entre des siens autres à cause finir une vie légale de la part de mes parents. Donc ça, c'est un autre aspect qui m'a pensé disait donne un temps précis, si je peux discuter ça va l'affaire. Et là, une question bien pertinente, une question bien complexe aussi qui sortit là-dedans. Donc ça, je disais à part discute ça et je vous invite à décider qui meilleure décision qu'ils prennent, qu'ils veulent, parce qu'avec tous ces autres patrimoines et ces personnes, de décider comment je peux faire ça, tout en respectant le droit des malhéritiers et le droit qu'ils ont envie de vivre. Manière de la même, donner un dimon pour qu'ils dépensent une place pour assurer qu'ils aient bien-être, tout ça là, c'est possible. Mais c'est vrai, les bizarres, faire dans un contexte d'après la loi, pour qu'ils n'aient aucun problème plus tard. Donc, on va arrêter là pour les deux temps, une fois, merci beaucoup pour sa invitation là. Avant de finir, peut-être un jour ou plusieurs. Thank you.